Kyle in Miami, Outbeat Miami Takeover, et ma avec the one and only Patrick Tardieu, que pile de nous connaît sous Monsieur Bogos, et puisque c'est Linley, c'est pratiquement Marc Déposel, je suis capable de dire non ça. Patrick, son plaisir, et pour me gagner, toujours gagner Jerry. Oui. Donc, qu'on y a l'autre Tardieu qui vient dans l'émission. Mon forme, Kyle, mon forme. Patrick, interview, ça t'a définitivement supposé plus long, puisque vous avez toute ton histoire et dans la mode, etc. Mais nous, là, spécialement pour Outbeat Miami. Rapidement, pour les gens qui parlent de Patrick et Tardieu, qui sont capables de dire? Écoute. Je suis un footballeur de profession. Justement. Moi, j'ai quitté le football il y a une quinzaine d'années de cela. Je suis rentré dans la mode sous fond de plaisanterie. Et puis, mon cher Karel, dans la marché. Bah, la takeover, je suis venu une distribution littéralement mondiale à travers les États-Unis d'Amérique. All better department stores, Neiman Marcus, Nordstrom, Saks, en Russie, au Qatar, à Dubaï, en Belgique, en Hollande, en France. I mean, une tout histoire, une global. Histoire, yeah, global brand, yeah. Une histoire faramineuse, yeah. Moment difficile, ups and downs, but you know, c'était une histoire assez remarquable. Justement, pile monde leur a parlé de fashion designer et haïtien, grand pile fille vraiment qui fait un pile gros succès, mais où c'est toujours une garçon que cité comme monde qui font succès international avec une marque, pendant que vous toujours réclamez qu'aux haïtiens, vous toujours mettez Haïti devant devant brand. Tout à fait. Mais succès ça, comme on peut-être vous expliquer, puisque vous dites c'est peut-être dans blague ou just dire on va le faire et then ou mettez tout ça qui est nécessaire peut-être la donne qui fait que le réussit. Moi je pense que c'est le fait que moi t'es un entrepreneur plus que un designer, parce que à te dire la vérité, moi pas un designer per se. Tu vois, moi je suis un entrepreneur qui gagne un sens de la mode très avancé et qui gagne assez d'intelligence pour connaître de quel type de d'accadi vrai typical designer pour m'associer avec eux, tu vois. Et donc fort de ceci, fort de voyage, mais tout fort de culture, moi l'ont mélangé tout paramètre ça ensemble. Li fait que moi vinn gon atout, un avantage qui permet moi peut-être développer ma marque là, j'aime développer là. À l'instant d'autres peut-être designers j'ont à faire allusion à eux qui ont même malheureusement pas de opportunité ça, pour qui ça simplement parce que yo pas gagné peut-être business sense. Yeah. Tu vois ce que je veux dire? Pour connaître qui est le right move, qui vous faites, qui côté, à quel moment, network. Exactement. Et surtout, certain que lorsqu'on est designer, il faut qu'on et canal de distribution. Absolument. Very important. Very important. Yeah. Et très souvent, on connaît designer tellement émotionnel, tellement attaché à produit. Là, peut-être qu'il y a des décisions, des risques que les pas prend, que moi-même, je n'ai pas pris le départ. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, c'est en ce sens que je suis capable de dire que nous avons gagné un mérite et deux, succès qui viennent avec peut-être mérite ça, à travers justement distribution ça, qui est en distribution interplanétaire littéralement, tu vois, je veux dire. And, I would say that is oops. You may not be clear, I will am this good. No, I'm Miami anyway. Mais penser avec humilité que c'est probablement raison ça qui fait que le succès était vraiment exactement qui fait que nous fait mieux que d'autres designers qui peut-être gagnent autant de talent que gagnent le Bogos ou même plus, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est ça l'idée. OK, justement gagner, moi j'ai parlé avec un designer semaine passée, parce que je parle avec toute qualité monde et me toujours vraiment rentré dans soit dans un creative process ou bien qu'on a classe comme un secteur qui a évolué à l'immobilier marché. Et puis il t'a dit que il y a un challenge dans ce design qui c'est est-ce qu'on est capable de gagner un produit qui semble un produit de luxe affordable à la masse. Et il semblait que ça soit un challenge pour un pile designer. Quand on y est dans l'échelle ça, pas même dire échelle, on dit que peut-être c'est garder ouais, comment on est capable de balancer pour un produit qui de qualité, un produit qui est capable de compter avec n'importe qui produit de luxe, mais affordable. Ou du moins, est-ce que vous êtes capable de dépouner un affordable là ou pas dans le luxe là? C'est un give and take dans la situation ça. Comment lier? Et Karel, c'est incroyable comment est-ce que you are on point, j'entends dire aux États-Unis d'Amérique.
sur commenter ça qu'on se fait. Finalement, c'est comme ça que nous t'ai positionné nous et c'est une bagarre qui fait succès nous tout. Nous positionner nous en tant que on marque de luxe mais à un prix abordable pour, on va dire, une clientèle qui peut-être pas une clientèle luxueuse. Qu'est-ce que je veux dire par là? Une clientèle luxueuse, c'est un client qui va s'acheter une chemise Gucci, une veste Prada, un costume Brioni à un prix faramineux. Et nous-mêmes, nous venons avec concept. Nous, nous venons avec une chemise qui était vraiment le produit de base Bogos, qui c'est une chemise qui t'a offert tellement de détails là, Dani, que non seulement où tu es capable de justifier price point là, mais en même temps tout, c'était un price point qui était un petit peu permet au offrir client un produit côté que il te gagne avantage babé moussage. Qui ça me dit par là parce que chemise était tellement détaillée. Qualité. Qualité, sans parler de la qualité. Client qui achetait beau gosse là, il était capable de mettre en chemise beau gosse à long soirée côté que où t'as attendre à ce que les gonds jacket avec une chemise en bali, mais chemise dans tellement bien coupée, bien taillée, que et puis avec des accents de détails sur lui qui tellement attiré l'attention que lui vient littéralement en conversation piece. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle est-ce que Marie-Louise qui a invité dans le choix a insisté pour que moi mène un beau gosse dans le choix pour ça, parce que en fait, son produit qui est plus un produit artistique, je vais dire, qu'un produit de mode, de par lui-même. Évidemment, la mode évolue. On comprend. Venir vers un côté que nous venons obligés d'adapter nous à la réalité du marché, côté que nous venons obligés de baisser un petit peu sur ces détails qui étaient vraiment la force de frappe de beau gosse, histoire de s'adapter aux besoins du marché. Mais en réalité, l'essence beau gosse, ce sont ces détails, c'est cette qualité, cette attention. Au prix qui est abordable. Au prix tout à fait abordable. Alors, c'est quoi le prix abordable? Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, en chemise Gucci, non, style de chemise beau gosse que nous faisons, ou bien en chemise Dior ou en chemise Yves Saint Laurent, on va pas acheter là 456 $, 500 $, on va pas là. Ni même Marcus, soit j'ai une chemise beau gosse pour entre, on va dire, 120 et 200 $. Tu vois comment je veux dire? Donc, est-ce que c'est abordable? Qui font une différence. Qui font même. Une énorme différence. Dans monde. Et, pas oublier ça, me dit, l'homme était chemise ou beau gosse. Ou même look là. Et sans pas besoin d'acheter une jaquette là. Imaginons ou acheter chemise Prada à 450 $. Et pour aller couvrir la bonne jaquette. Avec une jaquette. Alors qu'avec chemise beau gosse là, ou juste mettre une chemise beau gosse là, et puis, pas besoin de l'autre artifice, pas besoin de l'autre élément. Chemise beau gosse là, lui-même, ne parle même seulement, il parle de lui-même. Tu connais, ou deux chemises à l'autre type de vêtements, qui ça qui gamme beau gosse là qu'on y a? Et c'est un petit peu de tout, à te dire la vérité, mais avec un focus sur la chemise et la jacket. Par exemple, ça c'est un jacket beau gosse. Okay. Qui sont jacket en cuir, qui est un petit peu sorti de norme nous. Norme nous vraiment, nous connus sur le marché pour la chemise et les vestes. Tu vois, c'est de cela que nous fait vraiment et cheval de bataille nous. Parce que en fait, l'on fait la mode et qu'on fait compétition à gros compagnies, c'est à dire que nous sommes nommés là. Parce que nous sommes franchement sur les mêmes étagères que littéralement. Et nous vendons plus bien que yo. Tu vois ce que je veux te dire? On parlait de activité samedi 7 décembre. Et dans le cadre Habit Miami, c'est le premier fashion show qui est allé dans le concept ça, son mélange d'art et de mode. Exactement. Même si nous toujours dit la mode, c'est de l'art aussi. À fait. Comment, qui ça que vous-même pouvez le présenter dans l'événement? Écoute, j'aime ce journée là. Marie t'a insisté que je t'ai présenté collection Bogosio. Et donc, je vais présenter des produits qui sont des produits, on va dire, qui ont une attirance presque artistique, même plus qu'un produit commercial. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça veut dire que l'Obga des Choix, samedi, on va voir que c'est des produits que peut-être que c'est seulement des célébrités, on joue au footballeur professionnel ou au basket. Qui mettent une soirée qui bien spéciale. Qui mettent une soirée bien spéciale. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ce sont des pièces vraiment spéciales, mais qui étaient quand même des pièces qui font de beau gosse ce que beau gosse a été. Vous commencez à dire parce que quand on doit faire la mode, ou bien ces pièces phares, ou bien ces pièces à ma, on va dire, fenêtre, côté que ou météo dans window department store là, qui est capable d'attirer clientèle là dedans pour acheter produits qui beaucoup plus basiques, qui beaucoup plus simples, qui aujourd'hui malheureusement c'est ça qui vend. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est un des plus gros problèmes que j'ai aujourd'hui en Karel, c'est que je n'ai pas qu'à concevoir un produit qui c'est un produit basique. Je ne suis pas capable. C'est-à-dire que tu as l'air goût, l'aller au-delà de ça. L'aller au-delà de basique, tu vois. Donc,
Et malheureusement, avec la mode qui a tellement évolué, avec la mode qui a tellement changé, côté que aujourd'hui la clientèle est attirée par un produit beaucoup plus basique, mais il y a du mal à sortir des produits qui allaient, si tu veux, parallèlement avec demande marché, tu comprends, et qui fait que tâche là beaucoup plus difficile parce que en tant que propriétaire de compagnie, a gon essence, gon idée, gain on émotion que moi gain par rapport à produit que m'a fait, que m'ta aimé fait, que celui que m'ta aimé véhiculer, celui que m'faut là dedans. Et puis qu'on a gon dichotomie entre ça m'a fait et puis ça client vraiment aimé, ce qui est très très difficile, qui rend encore la tâche beaucoup plus difficile parce que tu as parlé tout à l'heure de la difficulté ça, de balance, etc. C'est son balance qui vient de tous les côtés. Au moment de ça, prix. Vous comprenez qui bon pour y aller au niveau de prix, qui bon pour y aller au niveau de la distribution, dans qui channel de distribution pour y aller, à qui est-ce pour compétition. En fait, toutes sortes de paramètres. C'est une industrie qui est difficile. C'est une industrie qui est extrêmement difficile. Elle est complètement cutthroat. Côté que vous faites business avec des compagnies, vous faites millions de dollars, lorsque vous collection pas marché. Et après l'eau, il y a du compte ça passé, collection ça pas marché. Tant pis, fais venez de s'il vous plaît retirer le souffle au moins parce que moi elle pas marché. Pendant qu'on finit faire des millions de dollars de vente au commencement du lendemain. Very very complicated. En tout cas, I'm looking forward for the show Saturday. Thank you man. Karel, mes compliments. Mes compliments dame, présente tous mes compliments. You know, franchement, soit faire son travail extraordinaire. Et puis peut-être on l'autre chita parler pour parler beaucoup plus de secteur et de. Avec plaisir. Thank you man. Merci Karel, merci beaucoup. Merci. We'll be right back.